Bonjour, nous voici dans l'environnement de Pixel R Editor. Je vais vous donner les bases pour faire un projet. Donc, la première chose, c'est d'amener une photo et puis vous pouvez vous rendre dans la section fichier du document pour tout simplement ouvrir une image. Alors, on va aller chercher quelque chose, disons. Je vais vous donner une image comme celle-ci, une peinture. Et puis là, votre image s'affiche. Vous pouvez faire des modifications si vous voulez. Travailler l'image avec des outils qui se trouvent ici. Donc, on pourrait dessiner avec un crayon. On pourrait prendre une gomme à effacer pour, par exemple, enlever des parties qu'on désire ne pas avoir dans l'image, donc la gomme effacée qui est un petit peu présentement réglée avec une grandeur un peu trop intense. Alors je vais réduire, voilà, donc je pourrais effacer des parties de l'image qui n'est pas vraiment une bonne idée, mais bon, ok. Et puis là, si je veux combiner plusieurs images, ce que je pourrais faire, c'est aller dans la section des calques. En fait, les calques, c'est ce que vous allez voir dans le côté ici. Et chaque fois que vous ajoutez une image, elle se place sur un calque que vous allez voir à droite dans la palette que je pointe présentement. Donc, si je vais ajouter une deuxième image, je vais faire ouvrir l'image en tant que calque. Et puis, ça va me donner la possibilité de, disons, amener une photo, prendre une photo d'un ancien premier ministre. Alors voilà, là si je veux mélanger des photos ensemble, je m'assure d'être sur un calque, soit le calque d'arrière-plan ou le calque de la photo que je viens d'amener. Et puis je peux découper la photo. Par exemple, tout à l'heure j'ai pris de la gomme effacée pour enlever des parties de la photo que je veux pas dans mon montage. Donc comme ceci. Ou je peux prendre la baguette magique qui est un outil assez intéressant pour sélectionner plusieurs pixels d'une même couleur. Dans ce cas-ci, ça peut être un peu truqué. Je vais essayer de l'enlever. Si vous voulez désélectionner, en fait, si je veux annuler ce que je suis en train de sélectionner, je peux faire CTRL D. Donc, ça désélectionne. Je vais essayer d'enlever une partie du manteau de l'individu ici. Donc, voilà. Si je fais comme ceci, puis je fais la touche supprimer, ça va faire disparaître son veston qui était là. Par contre, si je touche ici, ça va prendre des parties de son visage, malheureusement. Donc ça, c'est peut-être pas un bon choix de prendre la baguette magique pour découper cette image-là parce que les pixels d'arrière-plan sont trop semblables à celles de la figure de l'individu. Mais je pourrais prendre le lasso, par exemple, puis tout simplement tracer autour du visage de l'individu qui est ici, puis boucler le tout. C'est un petit peu truqué. Pour faire disparaître, par exemple, son visage. Si j'aime pas quelque chose, je fais CTRL Z pour retourner à l'étape précédente. Donc, il y a plusieurs outils pour enlever de l'image qu'on veut pas. À vous de choisir ce que vous préférez. Donc, en gros, c'est ça. Je pourrais amener d'autres images puis faire un montage comme ça. Quand le montage est fini, je peux donner un titre si c'est une affiche de publicité. Alors, à ce moment-là, on pourrait aller dans l'outil texte. PixelR offre une variété de polices d'écriture qu'on peut utiliser. Donc, je vais juste aller comme ceci. J'entre mon texte. Donc, bonjour. Et puis, je peux choisir la couleur ici. Donc, j'ai toute une gamme de couleurs disponibles. OK. Et puis, quand je suis content avec ça, en fait, il y a une erreur à bonjour. Je scotche ça. Puis, pendant que j'y pense, il y a la taille aussi de la police d'écriture qui peut être ajustée en fonction de ce que vous voulez que ça aille comme impact. On peut centrer ou mettre à gauche, mettre à droite. Donc je vais me reprendre un nouveau outil, je vais faire dans le rouge comme ça. C'est OK. Et puis j'écris mon bonjour. Et puis ça va bien en deuxième ligne. Donc bonjour. Ça va. Ici, OK. Donc là, j'ai du texte ici. C'est un petit peu trop gros. On voit que ça occupe beaucoup d'importance. Donc,
Ça, c'est le calque de bonjour que j'ai ici. Donc, si je veux retoucher, il faudrait que je sélectionne le texte. Ou, si je peux aller tout simplement, ici, j'ai les propriétés du texte, je peux changer la dimension de l'affiche qui est ici. Donc, je vais juste choisir seulement le texte. Et puis, je vais réduire l'écriture qui est là, comme ça. Je pense que c'est pas mal ça. L'opacité consiste à régler comment de transparence il y a dans un calque. Par exemple, si j'allume le calque du visage de mon personnage, je vais enlever l'outil ici. Je peux réduire, par exemple, l'opacité. Vous allez voir que maintenant, on peut voir à travers le visage du bonhomme Monsieur Saint-Laurent qui est ici. Voilà. Donc, on peut créer des mélanges entre différentes photos. Alors, voilà, c'est un petit démarrage pour vous permettre de faire quelque chose de façon rapide. Et puis, vous pouvez vous amuser avec une thématique. Peut-être, vu que c'est le temps de Noël, vous pourriez prendre une photo de vous-même, aller chercher l'image d'un sapin de Noël, d'une boule de Noël, des cadeaux, quoi que ce soit, et puis faire un montage, et puis envoyer des souhaits, écrire Joyeux Noël à vos amis, et puis après ça, vous pouvez sauvegarder le tout en tant qu'une photo JPEG. Donc, vous allez dans Fichier, et puis vous allez faire Enregistrer. Et puis, par défaut, ça va vous donner un format JPEG. Donc, vous pouvez tout simplement accepter ça. Dire OK, c'est ce que je veux, et puis vous allez sauvegarder un endroit de votre choix. Donc, moi je le mettrai dans mon ordinateur sur le bureau, et puis voilà, le tour est joué. Votre image est enregistrée.